Yo, c'est Webster en compagnie de Clocky. Alors, petite présentation de ce qu'on... Aujourd'hui, on a été au Polymanga. Pour ceux qui connaissent pas, c'est en Suisse, à Montreux. C'est une exposition, bah, C'est une manga... convention. Une con... Ouais, c'est une convention. D'ailleurs, il y a eu David Lafarge, Miss Miss Jirachi, Jirachi. toute l'équipe de Trash. Malheureusement, on n'a pas pu les voir, on va dire. Parce qu'on est venu pour un court instant et que pour une journée. Mais peut-être l'année prochaine, on fera un effort là-dessus. Et puis, on a trouvé... Alors, on connaissait pas, ça s'appelle Game Legends, gamelegends.com, on va dire. Et puis ils ont des box, la rare édition que vous avez actuellement. Et bien sûr, désolé du coupage. Et la Legendary. Alors, on s'est renseigné, la Legendary ne peut pas être commandée. On ne l'a trouvée que non. Que on, alors, je sais pas si on la trouve que en On convention. la trouve qu'en convention, c'était marqué. Alors, on la trouve que en convention. Du coup, bah, on s'est dit pourquoi pas, il y a des trucs de geek et puis c'est bah, c'est Legendary. En fait, on l'a acheté quoi, 48 francs, ce qui représente à Voilà. peu près 40 euros. Et puis il y a pour son, bah, il y a pour Pour 100 francs. 90 euros de matériel dedans. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas mal. Mais on va commencer par la rare. Voilà. C'est la Clocky d'ailleurs. Voilà, donc celle-ci, elle coûtait 18 francs, ce qui est à peu près 15 euros. Il y a pour 40 francs de marchandises dedans, donc 40 ou 30? 40. 40. Du coup, on va faire une ouverture un petit peu à la cachée. Donc du coup, Genre, on on va sait prendre un pas. objet et on va vous le montrer, on va découvrir en même temps que vous. Donc voilà, je vais mettre la box de côté, je vais l'ouvrir et puis on découvrira ce qu'il y a dans la box en même temps que vous. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, on a changé de décor, on a envie d'innover. On prépare un décor, désolé pour le tapis, il est un peu merdique, mais en fait c'est pour cacher le petit trou qui a une petite utilité. Et puis bah justement c'est. On va mettre des posters, tout ça, ce sera décoré. Alors, on va entendre un gros bruit, donc je vais enlever le papier, hein. Donc voilà. Donc ça y est, on y va. Tu veux pas peut-être mettre la box pour qu'ils voient ce que tu retires? Oui, ça va. Voilà. Donc. Ah non, je vois Bah, tout. comme ça, on voit rien, comme ça, on voit rien. Ok. Hey! Alors, une tasse De de... Payday 2. Alors, je ne Payday 2. connais pas du Moi non plus, tout. mais c'est cool, j'ai une tasse. Alors, si vous connaissez, c'est avec plaisir Attends, recule, je que. crois que c'est un peu pas chargé. C'est avec plaisir que vous nous apprenez ce que c'est. Il y a un cri s'écrit: S'il te plaît, laisse-moi Laisse-moi tout seul. seul, j'ai un planning à suivre. Je crois que c'est ça. Non, ah, Je je sais suis. pas. Voilà. Donc, voilà. Très Donc. joli, mais c'est Payday 2, donc le 2. S'il y a des gens qui sont fans, vous nous dites, hein, on vous l'envoie pas, bien sûr que non, mais on peut toujours s'arranger, on regarde combien ça vaut, et puis on vous fait genre, allez, 30% au moins, voire 40. Bon, alors voilà, en tout, c'est à Webster de piocher Non, dans sa box. c'est ton carton. Ah, Moi, toi, tu ouvres ton carton, j'ouvre mon carton. Ok, bah d'accord, pourtant t'as 150 000 trucs de plus que moi. Oui, mais tu Ok. prends ton carton, je prends Alors mon je vais carton. ouvrir. C'est parce que toi tu es plus lente, c'est normal qu'on ait plus de trucs, moi j'irai vite. Oh, alors j'ai. Oh, j'ai droit Oh! Covid! Alors, il faut savoir que moi j'adore ces sessions, donc je suis super contente d'avoir les plaques militaires Dragon Age, surtout qu'Inquisition c'est vraiment un bon jeu. Non, je ne l'ai pas fini parce que j'ai des privés d'ordinateur pendant une année. Alors du coup, je n'ai pas pu Mais finir elle mon a un jeu. nouveau PC, d'ailleurs peut-être on vous fera un setup parce que bah, j'ai envie de présenter en fait qu'est-ce que j'ai. Et puis elle a quand même. Tu veux l'ouvrir maintenant? Ouais, je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir. Hop là, petit tac-tac-tac. Hop. Wow. Wow. D'ailleurs, pour ceux qui sont à ce moment-là de la petite petit clin d'œil aux deux foufous de Collectoys, les gars, achetez vraiment une box comme ça, c'est pas mal. Voilà, donc au suivant. Bon, je pense pas qu'on ait, je vais le porter autour du cou parce que du coup ça fait un petit peu. Bon, mon métier, ça va faire un petit peu bizarre. Bah, tu dis au gosse que t'es Ah, tout de militaire. suite. Oh, des figurines, mais qu'est-ce que c'est ça? Bon, je vais ouvrir parce qu'on voit pas On trop dirait ce des que trucs de c'est. Sonic, mais je suis pas Je sûr. sais pas trop. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais les petits personnages qui lancent des Dans bulles là. Mario? Mais qu'est-ce que. On dirait des... Ils s'assemblent, non? Je crois que ça s'assemble. Alors là, j'avoue que. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sèche. Attends, ah, attends. Qu'est-ce que. Ah oui, ces petits trous, tu peux les mettre... En fait, Le c'est truc comme des est. Legos. Enfin, on vous montrera à quoi ça ressemble après parce que.
Ouais, c'est... laisse tomber. Donc ça, je ne sais pas trop ce que c'est. En gros, ça sont pile, ça sont pile. Ensuite, au suivant. C'est tout ce qu'il faut savoir. C'est pas très pratique, un peu cher. Qu'est-ce que c'est que ça? Evolve... Evil Dead? Non. Evolve Monstercation. Donc ça, je ne sais pas ce que c'est. Alors, je peux juste voir un truc. Donc il faut savoir que c'est que des objets officiels. Hein, Turtle Rock Studio, 2K... Pour ceux qui savent, vous nous dites. Parce que je connais pas du tout, ça doit être un jeu d'horreur. J'ai cru avoir lu Turtle Beach, mais en fait c'était écrit Total Rock. Turtle Beach et les micros, hein, je parle pas de... d'autre chose. Voilà, ok. Ah bah voilà, il reste une chose. Ah bah voilà. Je lis un Metallic quoi, mais... Ah, Metal Gear Solid. Je ne sais pas ce que c'est non plus. C'est un jeu d'espionnage très très connu sur PS4. Enfin, PlayStation plutôt. Ouais, un petit bracelet. On aurait... Ah non, c'est Metal... Revenant... Metal Gear Rising. Laisse tomber. Enfin voilà, donc moi c'est ce que j'avais dans ma box. Ma box, il faut savoir qu'elle était beaucoup moins chère, mais je suis assez contente de ce qu'il y a dedans. Je trouve que c'est rigolo de connaître un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc voilà, je laisse le tour à Webster. C'est la Webster, elle est complètement dingue, j'imagine. Alors, ici, il y a pour 100€ de matos. Déjà que je me dis que ça, c'est censé représenter 30€ de matos. 40€ de matos, je me dis, mais 100, j'ai le double de ça. Ah, et j'ai un t-shirt aussi. Mais je sais pas lequel c'est ça la surprise. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut pas la peine? Me suis-je fait escroquer ou j'ai gagné de l'argent? On va le savoir tout de suite. Par contre, je viens de voir un truc en... Qu'est-ce que... Il va falloir que tu... Qu'est-ce que... C'est quoi ce... Qu'est-ce que c'est que ce truc, mais... C'est horrible. C'est quoi? Ils sont sérieux. Pudge Mask. Pudge Mask. Non, tu vas pas me dire que tout le budget est passé là-dedans non plus. C'est dégueulasse. Oh, mais c'est ignoble, je vous jure, j'ai envie de le donner. Mais je porterai jamais un truc pareil. On dirait un Gollum mal formé. En plus, ça vient de Dota 2, quoi. C'est ignoble. Bah, putain, je suis déjà déçu. Connerie. Ouais, je suis désolée, je vais prendre un bon, deuxième chose, c'est... Vous vous foutez de ma gueule? Eh non, mais... C'est pas aléatoire, c'est que c'était déjà prévu. Hein. Bah, au moins, on a chacun notre tasse, voilà ça le point positif. Ah bah c'est cool, on en achète 3, on a de quoi faire pour une famille. Hein. La suivante. Le masque est dégueulasse. Ah, ça j'aime bien. Allô. Alors, c'est la même chose, mais c'est pour Halo. Ouais, t'as déjà joué à ce jeu, il me semble. Je suis un grand fan du. Enfin, je me suis arrêté au. C'était le 4, il me semble, si je me trompe pas. C'est au 4 que je me suis arrêté parce que après, bah, il fallait acheter la Xbox One et puis je n'ai pas acheté la Xbox One, ou plutôt j'arrêtais. Je suis passé sur PC, mais c'est vraiment cool quand on va dire les plaques du. Bon, en fait, c'est aléatoire, mais c'est à peu près les mêmes conneries. Hein. Sauf qu'il y a un masque dégueulasse en plus. Alors, en ce qui concerne le t-shirt. Deux choses, là. Ah non, ça c'est un bon diff. En ce qui concerne le t-shirt, c'est un t-shirt. C'est de la même marque que ton porte-clé. Sauf que c'est un code barre. C'est un code. Putain, il est large! Qu'est-ce que c'est? Talos Discipline. The Talos Principle. Principe, pardon. Je ne connais pas. Bon, remarque, c'est un t-shirt assez basique. Alors, pour ceux qui commandent là, alors je peux pas vous dire, on va dire, je sais quoi, je fais 1m70 pour 65kg à peu près. Je suis pas très large, mais. Oui, il est large. Il est taille M, il est putain de large en fait. Moi je croyais que S c'était plutôt pour des gosses, mais en fait non. S c'est pour. Donc si vous êtes plutôt petit et puis pas spécialement corpulent, prenez du S, hein, petit conseil. Et. Putain, je suis déjà à la fin. Et je finis avec. Ah, ça c'est cool, c'est Mario. Ah, bah c'est les petits bonhommes de Mario en fait ça. Ouais, je sais. Regarde, on les voit là. Alors. On les voit ici. Oh là là, oh, il en a fait c'est une collection. Bon, elle est très bien faite, hein, la, c'est une collection Mario, de figurines. Putain, j'aurais été gosse, j'aurais trop kiffé. Ah, d'accord, voilà, ça s'empile comme ça. On a trouvé comment ça s'empile. Hein. Du coup, en fait, c'est comme ça, là, et ensuite, comme ça, bah voilà. Quand on a l'image, c'est plus facile. En fait, c'est des petites figurines. Non, en fait, c'est n'importe quoi. On en a deux, en fait. Enfin, ah bah, c'est cool, ça... De petites figurines, Mario. Alors, celui-ci, je le fais vite, hein, j'en ai pas pour long. Voilà, en gros, ça donne ça.
C'est une petite collection. Ouais, c'est j'aurais cool. bien aimé avoir Bowser, parce que Bowser il est cool. Ouais, j'avoue, la princesse Peach par exemple. Ah, non, c'est pas fini. C'est pas fini, vous êtes resté. Alors, Team Fortress 2, c'est dommage parce que je n'ai pas joué. Je sais que c'est Valve Studios, c'est ceux qui ont fait justement Half-Life 1 et Half-Life 2. Half-Life 3 ne sortira pas, j'espère que vous avez compris. Mais il est vraiment excellent. Putain, il est très joli. Hein. Sincèrement, si quelqu'un le veut, on s'arrange sur le prix. Mais voilà, on va dire, j'ai pas envie de l'ouvrir parce qu'au final, Team Fortress, ça représente rien pour moi. Il y en a des qui sont... Je sais qu'il y a des gros fans de ce jeu qui l'ont vraiment défoncé. Donc si vous voulez, une proposition, vous en faites pas, je vais pas abuser sur le prix. On va faire un prix convenable. Pareil pour celui-ci. Hein. Comme pour celui-ci, on va faire quelque chose de... un prix convenable si vous voulez. Putain, j'ai l'impression de faire une brocante en ligne. Alors, 3 pour le poisson, 3. Et ça, c'est Foxhound. Ça me dit un truc, je sais pas de quel jeu. Je sais pas, j'ai déjà entendu parler. Je connais pas du tout. Mais ouais, bon, enfin, voilà, quoi. Vous avez compris le truc. Mais le plus beau, je crois que dans l'ouverture à Webster, c'est le gros masque. Mais le masque, mais regardez-moi cette horreur. Mais vous savez, c'est pas qu'il soit moche qui me dérange, c'est qu'il est en plus dégueulasse et mal fait, quoi. Non, mais regardez-moi cette horreur. Et là, franchement, on débarque la nuit avec ça, c'est beau, il y a de quoi faire des couches. J'étais censé avoir pour 100$. Et j'ai juste eu un t-shirt en fait. Moi, c'est ce que j'ai reçu, un t-shirt. En fait, je crois que le masque, ça, il est tout passé. Ça, je le considère pas comme un truc qui méritait d'être là-dedans. Ah ouais, puis j'ai aussi reçu un bon de 10 balles pour un prochain. Mais à mon avis, je suis pas tellement sûr qu'on recommandera. Ouais, peut-être une normale. Je suis contente d'avoir pris la rare, sérieux. Hein. Peut-être une autre rare, on va dire, vu que ça reviendra pas cher. Mais non, laissez tomber. La Legendary. Ça vaut pas ce que ça est. C'était juste le double du prix, c'était pas énorme, mais si c'était pour un t-shirt que au plus il était trop large, il est pas spécialement, j'ai pas eu le meilleur, comme c'est aléatoire, peut-être que vous avez eu de bons t-shirts, mais moi personnellement j'ai été déçu. Peut-être j'en commanderai un autre, je sais pas, mais ça réfléchit. Bon, c'était Webster en compagnie de Clocky et on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.